Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour une occasion spéciale, et oui, c'est le dernier boss en champion, le dernier. On aura tout fait, il nous restera, enfin tout fait, des boss en champion, hein. Il nous restera juste le donjon de Ténébreux, juste ça, la cour, et potentiellement faire de la ferme en endless, en mode infini. Bon, en tout cas, on est toujours en torchless, ça se passe bien, on va espérer ne perdre personne, et puis on va affronter la chair informe avec cette petite team de qualité. Avec Fentrus qui a une des bêtes, voilà, je ne sais pas qui prendre. On a Maniac qui a l'étude des tanières, c'est toujours bien, et donc on va beaucoup utiliser les skills qui vont faire de l'AE. Pareil sur le boss, on lui mettra les impôts probablement. Il a l'étude des tanières, c'est toujours ça de prix. Puis lui, il a rien de spécial pour, mais mes autres étaient. Brise-bouclier faisaient. Se soignaient. T'es en train de se soigner. Voilà, mes réflexes vis et un instinct de combat qui sont toujours très très bien. Et pareil, on frappera beaucoup avec ce skill probablement. Hop, allez, let's go. La chose des étoiles est dans le wild, on va la laisser là-bas. Dernier boss qui nous manque, j'espère que ça va bien se passer. C'est un boss, donc on prend tout ce qu'on peut. Paf, 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 paf. On va faire ça. On va virer ça. On va faire ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai la bouffe. J'ai les pelles. J'ai ça, 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 ça. Pourquoi j'ai l'impression que normalement je devrais avoir que 3 slots de lit plutôt que 4? Non, ça doit être bon. Ça doit être logé. Je peux prendre une pelle en plus au cas où, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Le laudanum, c'est bon. Le machin. C'est bon. C'est combien un stack de ça, juste pour savoir? C'est 4, okay. Vu qu'il nous manque 3 DD, on pourra en prendre 3 fois 4. Merci, Judius. Et bim! Merci beaucoup. Merci pour le sub. Bienvenue à toi. C'est très gentil. Et bah, let's go. On y va. On est donc dans les tanières. Au moins, on a fini avec le wild. Ça, ça fait tellement, tellement, tellement plaisir. Puis, bon... Non, je reprends rien de plus. Hein. Pour les curieux, tout ça, non, on est bon. Je t'adore, mec, surtout sur Darkest Dungeon, c'est très gentil, merci, merci à toi. Bienvenue dans la commu. Let's go, on embarque. Alors, pour info, je vais laisser parler. The Warrens had become a landfill of snout and hoof, gristle and bone. A mountainous, twitching mass of misshapen flesh, fusing itself together in the darkness. J'aurais dû reboire plus tôt, je croyais qu'il avait encore des choses à dire. Bon, ça va pas être simple. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on avait bien un bug sur les Vestales et les Croisés, c'est pour ça qu'on trouvait aucun item de Vestales et de Croisés. Un incoherent jumble of organ, sinew and bone. Quelle pipelette. Et du coup, va falloir que je pense à enlever la torche manuellement à chaque fois que je fais le skill, vu que c'est le mode qui faisait bugger le jeu. Donc on était sur une run torchless en nerfé. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de repérage sur le début. Une esquive. On commence bien. Ouais, vas-y, si tu veux. On sait jamais. Ok, est-ce qu'on va avoir le premier combat? T'as rien raté? Non, ça vient de commencer. Allez, premier combat. On est... Ils sont surpris! Ah! Donc on veut absolument tuer lui le plus vite possible. On commence par un petit 17. Ça, c'est bien. Un petit stun. Parfait. Et donc là, faut penser à virer la torche. Oh, ça va être lourd. Black as death. 19. Là, il joue pas. Lui, il va nous embêter. 20 de dégâts, ça va. Ah non, ça c'est chiant par contre. On va healer. Voilà, c'est mignon ça. On va essayer de se débarrasser de lui. Ça va être compliqué. Vu que lui pourra pas frapper. Oh, vas-y là!
En plus, il a stun. Du coup, on va tenter le stun aussi, même si on n'a que 25% de chance. Ça fait une chance sur 4, c'est quand même pas dégueu. Pas passé. Donc, retrait trop trop qui nous fait peur. Faudrait absolument qu'on arrive à virer ça. Sinon, on risque de prendre très très cher. Nickel. Ok. Ok, il pourra plus nous faire son truc en étant tout au fond. Déjà, c'est une bonne chose. Il nous fera quand même toujours très très mal, mais ça sera beaucoup beaucoup mieux. 18. Ça va, t'es en colère toi un peu quand même sur les heals, hein. Ça fait plaisir. Je vais quand même tenter. Yes! 5, 11, 7, 17. On va faire ça pour mettre plus de crit. Je vais lui faire un petit malus. Nickel. Je vais tenter de me heal aux dégâts. Nickel. On a 4. On va voir combien il va frapper. Ah, dommage. Tristesse. Il lui reste 2 points de vie. Il était presque. Et ça fait bobo. Donc là, il est mort. On n'a pas besoin de frapper. On va faire un heal de groupe. On va healer du stress, donc c'est pas si mal. Heal de groupe. Oli, il a 7. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Bon premier fight, je prends. Ça, on veut pas. On a dit qu'on voulait choper des trucs comme ça aussi. Hein. On va faire comme ça. Et ça, c'est des herbes, si je dis pas de bêtises. Pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit qui nous intéresse. Ça va la bouffe? Il y a quelqu'un qui est pas full life? Non. Et le reste, on va dire, on s'en fout. Et toujours pas de repérage. C'est la fête. Autant Dark Souls, je suis de ton côté, autant là, je suis pour les méchants. Ah bah bravo. Bravo, bravo. C'est bon, y a rien. Yes. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Pas une maladie, au moins, c'est déjà ça. On va virer le malus d'esquive. Et on veut... Ouais. Ça, c'est relou. Même c'est pas non plus trop trop grave. Ça, c'est bien. Ah, il faut que je pense à enlever ça. En plus, j'ai dû oublier d'en enlever le fight d'avant, je pense. Je prends l'habitude. Ah, mais ça avait, il avait résist au stun. Bah non, t'as tout gâché. Non, non, je suis bien zéro. Ça, c'est bien, ça. Ça, ça fait plaisir, ça me rend heureux. Ça, ça me rend moins heureux. Ok. Bon, je vais faire ça parce que je veux avancer pour pouvoir faire du heal single. Très bien. Les bustes et les tableaux, c'est mieux que les blasons, tu les changer un blason pour 3 bustes. Bah d'un autre côté, oui, mais ça, ça se stack par 12 et ça, ça se stack par 3. Donc 1 pour 3, ça veut dire que là, j'ai 9 blasons. Donc autant avoir un stack de 12. Hein. Alors, on va faire ça. Donc là... Non, c'est bon, on est bien 0.
C'est joli les îles de groupe à 7 là. Je sais pas pourquoi t'es en colère comme ça. Mais... pas de crit. D'accord, ça va. Ça c'est bien. Ça va nous permettre de tuer lui. Parfait. On descend le stress. On va lui laisser son début. Oh, quoi que. On va le debuff vitesse. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Pas le stun. Ok. Trois, neuf. Ça, ça va me filer de la torche. J'enlève. Un, trois, on est bien. Parfait. Parfait. Triumphant pride precipitates a dizzy. J'ai pas relevé le verbe croiver. Il y a des gens qui disent croive. Alors, je vous avez des idées de team avec la pilleuse et avec quelques sorts. Cette gestion tellement propre. 1 de stress, 3 de stress, on est bien. Juste sous prétexte que les monstres ne sont pas très beaux et n'aiment pas beaucoup la lumière, ils les agressent comme ça, c'est de la discrimination. Un portrait s'échange pour combien de blasons? Parce qu'un stack c'est 3. J'y crois pas que les gens disent croiver. Exactement. Il faut combien de blasons pour faire un tableau? Donc c'est mieux les blasons. Les blasons c'est 12. Ça fait l'équivalent de 4 tableaux. Donc quoi qu'il en soit, on va faire ça. Parce qu'on en a besoin. Et alors on n'a absolument pas le droit de faire un seul... Quel relou. Que je veux vraiment faire ça. Ouais, vas-y. C'était utile. Des repérages, oui, le repérage est chouette. J'ai que 60% de repérage après, hein, donc c'est normal que ça arrive jamais. C'est bien. Ah oui, mais du coup, non, en fait, c'est pas bien. Parce que si j'arrive pas à le tuer l'autre, c'est quand même pas mal. Bon, ça va. Juste lui qui va être relou. Ça va. Un seul malus. Timide. Bref. Faire ça pour essayer de s'assurer le kill, j'allais dire. Trois esquives, c'est bien. Malheureusement, le croisé va jouer après, ouais, dommage. Mais ça va, on s'en sort bien. Monstrous size has no intrinsic merit. Unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Manque un peu de vie, mais bon. Seize this momentum. Push. Merci. On to the task's end. Pas de combat, il y a le boss, donc on est bien. Donc là, c'est dodo et buff. Dodo et petit buff. En plus, là, on sait qu'il n'y a pas de fight qui peut pop. Il y a toujours un fight qui peut pop ici. Est-ce que quelqu'un a une suggestion haute? Non, je pense pas. On est bien. On est bien. Tout le monde est full life, il n'y a pas de stress, c'est point S. Du coup, on va faire...
Ok, on veut quoi? On veut le perçage d'armure, ça doit quand même être utile sur eux. On peut... Non, on s'en fout. J'ai pas des tonnes de buffs intéressants. On a celui-là qui est pas mal. Précision esquive. Ouais, on va faire ça. On va faire... ça. Et sur qui on met le précision et l'esquive? Sur le toutou, hein. Ou alors encore plus sur lui. Toutou? Disons, ouais. Brise-bouclier. Le toutou est fini entre nous. Mais non! Bah, les deux vont DPS de toute façon. 36 d'esquive. 30 d'esquive. Non, on va mettre sur le toutou. Le toutou YouTube. Ok. Le repos. Donc là, on est d'accord, tu ne mets pas un fight juste à la sortie parce que t'es pas trop méchant non plus. C'est bon. Du coup, on peut virer ça. Il va falloir remettre le groupe dans le bon ordre aussi, ça pourrait être bien. De toute façon, on a plein de choses à faire avant de faire le boss. Ouf. Alors, je pense pas qu'au niveau des skills... Ou alors je peux faire ça à la limite, parce qu'on va pas healer du stress, je pense pas, en tout cas pas avec lui. Et le heal peut sauver, donc on va faire ça. Là on change rien, là on change des choses. Non, on n'est pas mélangé hein, sur ce fight là, hein, je crois pas. Hein. Du coup, le stun peut passer... Non, je pense qu'on va virer le stun. Je pense qu'on va faire ça. Ça vous va, ça? Est-ce que je vais vraiment vouloir lui mettre de la prod si je vois qu'il est en danger? C'est pas mal, ça. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Et donc, sur toi, on veut absolument ça. On va peut-être vouloir ça. En champion, il n'a pas des apparitions. Ça, on voudra jamais l'utiliser. Il n'a pas d'apparition furtive de son de son corps. Hein, j'imagine que non. De toute façon, je vais vouloir avancer et reculer avec ça. Ça ne servira à rien. Non, ouais, enfin, il y en a aucun qui me sert, quoi. Donc on va laisser comme ça, mais je vais plus jouer qu'avec ça et ça, parce que j'ai besoin d'avancer pour pouvoir refaire ça. Ah, probablement, je sais même pas comment on va faire donc alors. Bon, quoi qu'il en soit, on va laisser ces skills-là, ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Ok, bon, on est ready. J'espère que ça se passe bien. Un être chien avec un biscuit, il te le déroule de toute façon, uniquement lui en DPS, ça suffit. À ce point, pas oublier d'utiliser le biscuit. C'est la vraie... c'est la, le vrai truc important. Mais logiquement, on devrait être bien. On devrait être pas mal. Let's go! On y va! On est chaud cacao! Dernier boss en champion, The Last One! 204 HP. This horror must be unmade. Allez, c'est parti. Bim, de l'infection de partout. C'est déjà du heal. Nonos, j'y ai pensé. Oui. Let's go.
dizzying blow to body and brain. Et je peux pas le heal. Ouf. Lui il fait très très mal du coup. Hein. Eux je sais pas ce qu'ils font, lui il stun. De toute façon je pense que ça change absolument rien. Hein. Ouf. Ouf, c'est bien ça. Aïe. Ok. Ils me font très très mal. Hein. Mais genre très très beaucoup. Hein. Après, je leur fais très mal aussi, mais... Et je peux faire un crit de temps en temps ou c'est en... Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois heal ou est-ce que je dois frapper? Ah, le heal c'est bien, mais ah, je vais heal. Oh le. Ça c'est des healers, non? Ça va, c'est pas des crits. Ouah, 16 et 16. On est mal, hein. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Ça, c'est bien. Oh là là. The true test. Hold fast or expire. On espère que la Vestale joue avant le maître chien. Bon, heureusement, ils sont presque morts. Hein. Ça veut pas dire qu'on va pas perdre un perso par contre. Ah, j'ai pas le choix. Hein. Ouf! Ça veut dire qu'on survit obligatoirement. Parce que sinon, on aurait pu mourir du. Et bah, c'était chaud cacao, hein. Its destruction is a small consolation, given the implications of its terrible existence. Ça pique, hein? Ça pique de folie, hein? Waouh! Le 40 plus. Heureusement, imaginez, il aurait mis 40 plus sur le brise-bouclier. Ça aurait pas été la même histoire, hein? Ah, j'aurais pu utiliser la bouffe aussi. Oui, bah, de toute façon, ça servait à rien là. Piouf! Wouah! C'était chaud cacao là. C'était. Ça piquait de ouf. Ton maître chien n'a jamais esquivé, je crois, juste le dernier coup. Le coup qui comptait. Le coup qui comptait. Bon, vous êtes récompensé comment? Par deux maladies?
Super. La rage. Et en plus, t'as oreille non musicale. Super. Et toi, t'as frappe de précision. Qui est pas mal. C'est pas mal, ça. Ça se bloquerait presque. Quand tu finis le jeu, bah, on est quasiment sur la fin, donc oui. A fresh irritant, the sum. A sanguine memory to me. Allez, attends. Magnétique panda, on va t'enlever oreille non musicale. Est-ce qu'il y a un autre truc qu'on veut te bloquer? La réponse est non. Hop, on t'enlève la rage. On pourrait presque te bloquer frappe de précision. Hein. Mais bon. On a fait une trucerie loup qui ont du stress. Oh, des vestales et des croisés, dis donc. Croisés. Non, pas encore. On a des vestales et des croisés, c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, là, il y a un croisé, mais il n'y a pas de vestale. Vous avez compris. Hop. Hop. Malheureusement, pas l'item que je cherche. Toujours pas. 146, ça avance. Allez, dis-moi qui a l'item. Non, c'est pas lui. Ça ressemblait, mais c'est pas lui. De toute façon, ça peut pas être ça. Toujours pas la tristesse, la tristesse, la tristesse. Par contre, on a des gens. On a les level 4. Ah non, mais il nous manque un Billy. On peut même pas. On peut même pas. Ou alors, faudrait partir avec deux. C'est un peu compliqué. Ah. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a tout fini, les boss en champion? Il nous reste que le Darkest Dungeon et la cour. Une quatrième plume de cristal. Elle est où déjà? Elle est là. Mais c'est parce que tu veux que j'aille faire la chose des étoiles? Même pas en rêve. Même pas en rêve. Bah, le DD2, non, il me manque encore un ou deux items que j'aimerais choper. Faire la cour, non, parce que on aura les mobs de la cour pour choper les items. Après, je peux tenter le DD2 comme ça, hein, mais bon, pff, c'est un peu dommage, quoi. Je vais simuler la team du DD2, déjà. On va voir ça. On va trier par classe. DD2, qu'est-ce que je veux? Je vais vouloir un maître chien. De toute façon, mes deux maîtres chiens sont pas disponibles. Donc, et ce sera Nujabes. Pourquoi t'es pas disponible, toi, d'ailleurs? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Ah bah bravo, tu continues de te flageller. Bravo, quand on a besoin de toi, monsieur se flagelle. Super. Donc ce sera Nujabes, on aura un des trois. Qui c'est qu'on va prendre? Probablement Shrek, parce qu'il a vraiment des trucs pas mal. Off, quoique. C'est pas dégueu aussi, et Shadow. Haine des horreurs. Ah, haine des horreurs, c'est fort pour le DD, ça. C'est des horreurs dans le Darkest Dungeon, hein. Mais toi, ta spiritualité, ce qui est non négligeable. Mais c'est vrai que haine des horreurs, c'est tentant. Qu'est-ce qu'on préfère? Les deux ont luminosité. Toi, t'as quand même le crit de 2% qui est pas dégueu. Il y aura pas de bouffon, donc ça, on s'en fout. À voir, à voir. Bon, du coup, par contre, normalement, ça devrait être la fin de la VOD, les gens de YouTube, mais... elle est toute courte. Elle est toute courte. Les deux... Non, je vais pas y aller avec deux, hein, deux Billy. On va dans le DD2, on va probablement emmener... Il est où? On va probablement emmener Philcopter. Comme ça, ça nous fait deux contre. On va probablement faire ça. En gros, ça va ressembler à ça. 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 Et un maître chien. Bon, je vais en prendre un au pif. Voilà, Erin, juste pour voir. Je sais que tu veux pas faire cette quête, mais c'est pas grave. Et un healer. Qui sera...
peut-être. Rilou, on peut pas. Je pense Yue, hein. Pourquoi Fentrus? Non, pas Fentrus, hein, Yue. Complètement Yue. Après, quoique, il faut penser que qui on veut emmener en DD3 et en DD4. Il y a ça aussi. Ouais, il y a aussi ça. Donc, peut-être garder Yue pour après. Donc, ouais, peut-être Fentrus. Je pense que ce sera ça notre team de DD2. Il y aura les trois items. Vous êtes où? On va faire ça et ça. Vous êtes où? Ça, on mettra. On mettra ces trois-là sur qui? Sur les trois premiers, on le met pas sur la Vestale. Et lui garde la Vestale. J'aurais bien pas mis sur lui. Mais le truc, c'est que lui, il va avoir pas mal d'esquive. Donc, le fait que lui, il garde tout le temps, c'est un peu contre-productif. L'autre possibilité, c'est que je le mets pas... Ah, non, je peux pas. Non, je suis obligé de pas le mettre sur la Vestale, en fait. Parce que lui va avoir de l'esquive. Et lui va contrer. Et lui va contrer. Donc, je suis obligé de pas mettre sur la Vestale. Donc, je suis obligé de faire ça... Ça, ça. Ici, on aura. Ça, ça pourrait fonctionner, mais je préférerais l'item qui. Attends. Là, on aura ça. Et là, on aura. J'en ai aucune idée. Non, mais je veux pas garder le bandit parce que je veux que le bandit fasse des contres. Bah, je sais que la Vestale devrait être protégée à chaque tour, c'est pas la question. Enfin, oui. Et donc, le premier des deux qui jouera la protégera. Le truc, c'est que c'est 7 de speed et là, c'est 6 de speed. Après, c'est pas mal 7 de speed. Hein. Qu'est-ce que je veux mettre sur mon maître chien? Qu'est-ce qu'on veut lui mettre? Du speed, ce serait bien quand même. Après, je peux mettre speed esquive, hein, je peux mettre ça. Hein. Plus 2 speed, plus 8 esquive, c'est toujours bien. Ouais, on peut faire... Je sais pas... Comme ça, on a la chance. Faut absolument que l'un des deux y joue pour pouvoir garder elle. Mais la torche sur la Vestale, le maître d'armes a de la prod de base pour tanker. Bah non. Surtout pas. Parce que le but, c'est que le... Non, mais non, ça va faire trop mal. Non, non. C'est dommage qu'il ait pas un tout petit peu plus de speed. Bon, de toute façon, on n'a pas les billes qu'il faut. Hop. Sinon, ton maître chien est level 2. Oh, le relou. Oh, le relou. C'était une simulation du DD2. On va classer par stress. Et du coup, Fentrus. Et le reste, on va dire que c'est bon. T'as combien, toi? 5. On s'en remettra. Donc là, faudrait passer une semaine et voir un petit peu ce que le jeu nous propose. Est-ce qu'on a un item qui nous intéresse quelque part? Mais j'ai pas envie d'aller faire du... Pourquoi j'ai pas les items dont j'ai besoin? C'est chiant.
Oh non, non, j'ai complètement zappé un truc. Attendez. Attendez. Fais un coup de ferme avec des randoms, ça fait pas passer une semaine la ferme. Ça marche pas. Le Wild réclame ton sel, ouais. J'ai zappé un truc, mais je réfléchis. Donc ça, ça te fait avancer, tu peux le faire en position 1, 2, 3. T'as quoi qui te fait reculer? T'as que ça qui te fait reculer en fait. Ah ouais, non, c'est relou. Ça marche pas. Parce que ça aurait été intéressant de jouer avec son stun. En gros, j'aurais bien aimé jouer comme ça. Et alterner entre position 2 et 3. Je vais voir sur un autre. T'es où? Tu es... Ah, parce que c'est un stun de base à 150%. Donc si je lui mets un item qui augmente le stun... Et de mémoire, il y en a des sympas, mais je sais plus lesquels c'est. C'est quoi déjà les items qui sont bien pour augmenter le stun? Normalement, il en a un. Ouais, plus 25%. Et ça fait une machine à stun. Et c'est loin d'être... C'est loin d'être négligeable. Bon, après, il y a un malus de vitesse et j'aime pas les malus de vitesse. Mais en effet, l'un des atouts du maître chien dans le DD2, c'est que c'est un stunner potentiel. C'est un gros stunner. Sinon... Drapeau de Wilberg, il fait quoi déjà? Non, c'est résistance aux étourdissements. Moi, ce que je veux, c'est infliger des étourdissements. Bon, il y a un truc qui m'embête. Parce que je peux pas le replacer. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas les bonnes classes. Merci beaucoup, Old Dirty, pour les 17 mois et bim! Merci, merci. Parce que là, ça aurait été très intéressant. Le problème de son skill, c'est qu'il peut le faire qu'en 2. En 1 et en 2. Donc il aurait fallu qu'il puisse passer facilement en position 2, mais j'ai rien. À moins que je parte avec un Billy comme ça. C'est peut-être la solution. Peut-être que la solution, c'est que je parte avec un Billy... Un Billy comme ça qui peut alterner entre position 2 et 3. Qu'est-ce qu'il y a qui me fait reculer de 2 à 3? Alors recul, on a quoi? On a ça. On a ça, mais il peut la jouer qu'en 1. Et on a ça, il peut la jouer qu'en 1. Donc si je veux reculer, je peux utiliser que ça pour faire passer mon... C'est pas terrible, hein. Ou alors... Ouais, mais non, c'est pas terrible aussi. Non, ça, je peux pas. Merci, Old Dirty, très gentil. Ah! Il y a le baiser du serpent qui fait reculer aussi. Que je peux utiliser en position 2? Non, il s'utilise qu'en position 1. Non, baiser de la vipère, c'est uniquement en position 1. Donc le seul moyen que j'ai... Moi, mon but, c'est de reculer de position 2 à 3. Ça, ça fait vraiment pas de dégâts, quoi. Après, c'est pas dégueu, mais bon. Ah! Eh ben, je sais pas. Je sais absolument pas. J'hésite. Hein. C'est dans ce genre de cas-là qu'il aurait fallu une autre classe. Certains persos ont une torche sur leur stat. Ça signifie quoi? Qu'ils ont déjà fait le Darkest Dungeon et qu'ils peuvent pas y retourner. Donc le donjon ténébreux ici. La pilleuse de tombe recule de 2. Mais de toute façon, j'en ai pas de level suffisant. Oh, il y a mur. Ah, je l'avais pas vu. Ah non, bah non, j'ai rien dit. Il était pas classé à... Non, j'ai bien que pas assez de perso. Trier par niveau. Moi, je suis sûr que ça passe, hein, cette team. Hein. Moi, je dis, on va aller faire ça en attendant.
Moi, je vois pas ce qui peut mal se passer avec cette team. Il y a rien qui peut mal se passer avec cette team. Moi, je dis, on va aller faire une petite mission dans le Wild en vétéran. En attendant, ça va faire passer une semaine pour essayer de choper les items dont on a besoin. Merci, Jest. Merci beaucoup pour le Prime. Et bim. Merci, merci. Et on va réfléchir. Moi, je pense qu'une team comme ça, c'est une team de qualité. Alors, est-ce que on a besoin d'apprendre des skills? Il y a le heal. Oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et ici... Non, tout le monde a tout. Ok. Ok. Merci beaucoup, Jest. Bienvenue. En plus, il y a grave de heal de stress. Il y a tout ce qu'il faut. On a absolument tout ce qu'il faut, là. Qu'est-ce qu'on lui met? Non, attends, tu veux pas aller là, j'ai bien compris. On a quoi? Une mission moyenne ou une mission longue? On va faire une mission moyenne. On va se calmer, hein. Là, on met l'augmentation du heal. Ok. Là, on va en faire un qui sera un heal de secours avec cette magnifique truc d'antiquaire machin chose. On va avoir... Toi, on va dire qu'on va te mettre ça. On va te mettre ça, là. On va te mettre de la vitesse et... je sais pas ce que je te mets. Toi, on va te mettre... ça. Avec... Est-ce que je te mets ça ? Non. On va te mettre ça. Non, je vais te mettre ça. T'as 7 de vitesse, on va rester comme ça. Toi, donc on met ça et toi... Ah mais non, mais j'ai personne qui fait du machin là. Hop, on te met ça. Ok, on est bien. On est bien. Là, donc il y a le heal qui va healer de folie. Ça va être ouf, vous allez voir. On a le truc pour pas se faire avoir quand on fait dodo. On a le machin qui file une breloque. Là, on l'a pas, il le faudrait. Oh, on n'utilisera pas les deux. Ah, on sait jamais sur un malentendu. Ok, on a zéro truc qui enlève le stress, ça va être bien. Je sais pas ce que je veux faire, maintenant je suis riche, je m'en fous. Ok, là on veut ça. Ok, merci beaucoup Zerman pour les 3 mois. Et bim, et Pouette à toi aussi. C'est fort ça. Personne n'est pieux. Non, personne n'est pieux. 3 x 7, 21. Pourquoi pas. Ça peut être une possibilité. Là, on va dire qu'on va laisser comme ça. Là, on peut laisser comme ça. Et là, on veut pas des provisions. Et on va faire ça et ça ira très très bien. Moi, je vois pas ce qui peut mal se passer avec cette team. Avec cette type de PGM, je vois pas ce qui peut mal se passer. Ok. Merci beaucoup, Servan Sanoé, pour les 26 mois. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci, merci. Pouette, mais en avant. Voilà. En plus, c'est pour la VOD. Alors, attends. On est dans le Wild. Donc, c'est un endroit qu'on n'aime pas. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense qu'il faut de l'antipoison, il faut du bandage, il faut... Ça, on va en laisser 6. Prendre 2. Oula. On va en prendre 2, histoire de... Qu'est-ce que j'ai oublié, les pelles? On y va comme ça?
Ah mais non, il y a trop de clés, j'avais pas vu, j'ai 7000 clés. Ok. On est bien. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Crane n'a pas rencontré ton meilleur ami le Chambleur. Ah bah là, avec cette team, le Chambleur, il a qu'à bien se tenir. Hein. Avec cette team, le Chambleur, là, il fait pas de vieux os. J'ai deux clés, j'ai quatre pelles, j'ai masse bouffe. Et j'ai des trucs, oui, allez, vas-y. Allez, ça va bien se passer, ça va être génial. Au niveau des skills, on a quoi? Ouais, on garde ça, ça, et puis là, vous avez les mêmes skills. Oui, c'est génial. C'est parfait. Ça va bien se passer. Rien pour régler le stress. Deux antiquaires. Qu'est-ce qui va mal se passer? Rien. Non, j'ai pas pris 8 clés, j'en ai reposé des clés. J'ai entendu Chandler, quelqu'un a fait des grèves. Ah là là. Allez, repérage direct. Dis-moi que c'est un repérage critique. Oui, ça c'est beau ça. Oh mince. Ah si, ouf. Oh non, objectif de quête. Attends, il y a deux objectifs de quête. Ok. Ok, ça va être génial. Je sais pas quoi faire de mes points, alors je mets un message random en avant. Et bah, fais-toi plaisir. Ah, masse bouffe. On va déjà faire une place, ça c'est bien. Hop, allez, premier combat. On est optimiste. On y croit. Ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce qu'on n'y a pas trop réfléchi. Allez, 7, bim! On va buffer esquive. Bon, on est d'accord que toi, tu vas le finir. Donc, je peux tenter un truc comme ça. Ah oui, mais lui... Non, c'est bon. C'est pas bien ce que t'as fait. Ah si, c'est bien. Voilà. C'est ça, une team de PGM. C'est ça. Quand tout se passe exactement comme t'as prévu. Ok, là, on va le debuff toucher. Le buff esquive. Tu peux pas test. Moins 28 en toucher. Parfait, lui il est mort. Regardez ce miss. Bim, moins 28 en toucher. Tu fais quoi? Tu fais rien du tout. Et regarde. Bim. Moins 42. Allez. Combien en précision? Moins 56. Tu fais quoi là? Hein? Bim! Their cursed champion falls. Vous disiez quoi sur ma team déjà? Hein? Hop! Ok. Donc là, pièce trésor, curio, curio. Ok. Crane qui provoque le jeu, sa vengeance sera terrible. Attends, déjà là, ça va être un chambleur, ça va être bien. Le chambleur, ça marchera pas. Hein. Chambleur, on s'en va, on quitte la mission, hein, je vous préviens. À 70-85. Parfait. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ouh.
Nice. Executed with impunity. Ah ben non. Parfait. Oh bah non! En plus, tu mets 6 de saignement, ça fait tellement mal! Back to the pit. Ok, il y a un combat ici ou pas? Curio, pièce avec curio. En tout cas, on sait pas où est la dernière pièce. Repérage, fais-moi rêver. Non, et non. Ok. C'est la nif de Scipion? Où es-tu? Heureusement qu'il y a créé un rêve ce soir, ça me donne presque l'impression de ne pas manger mon gâteau d'anniv tout seul. Bon anniversaire! Par contre, nous, ça nous donne totalement l'impression que tu le manges tout seul et que tu partages pas. Mais bon, ça... qu'est-ce que je veux? Je veux virer des trucs. Hop. Allez, baston! Donc on va absolument se débarrasser d'eux en premier. On va... Je fais esquive. Non! Ça c'est pas bon ça. Ok, on enlève. Et on va... Je vois ce qu'on fait. Qu'est-ce qui fait le plus peur? C'est eux. Ok. Fais-moi rêver. M'a pas fait rêver. Nice. Nice. Formation is broken. Maintain the offensive. Okay. Et eux deux qui vont frapper quand même. Allez. Mais vas-y, t'es des buffs là. Oh là là. Faut recommencer à remonter des vies, hein. Mais d'un autre côté, ça c'est bien aussi. Ok, allez. Oh, déception. Je vais la jouer. Ah, c'est sûr qu'on fait ça. Et ça. Nice. Oh bah non! Ok. Ce que je veux faire pour remonter les vies comme je veux. Parce que je vais pas frapper trop fort. Nice. Oh bah non, pas le saignement. Bon, on est d'accord qu'à moins 56, on touche rien.
J'ai peur que tu le tues. Du coup, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Continue the onslaught. Destroy them all. Il est bien ce jeu, il est un peu facile, mais il est bien. Attends, qu'est-ce que je vire ? Je veux tout. 3225 le stack d'or quand même. Non, les bandages, non, je vire pas les bandages. Allez, on va dire qu'on prendra que ces pierres-là. Mais non, j'ai de l'émeraude. J'ai pas viré. Ah, mais j'avais... Ça fait quoi, les tentes? Ah, ça peut donner du stress. Il y a que 12,5% de chance de choper du stress. Herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Cool. Ah, ça par contre c'est pas dégueu. T'es à 4, t'es à 5, t'es à 4, t'es à 3. Mais toi on s'en fout un peu. Ou est-ce que ce serait pas toi? C'est pas... J'en ai un peu rien à carrer, ça. Vous le savez, ça? Tant pis. Ah, ils sont surpris. Parfait. Qu'est-ce qu'on veut? Ah, oh, vas-y. J'espérais tellement la tuer. Oh bah non, pas sur lui. Ah bah bravo le jeu. Bravo. En plus l'esquive, je m'assois dessus hein. Un point de vie. Yes. Ah, en plus, il joue. Ah, parfait. Un point de vie. Un point de vie. Pas d'esquive. Parfait. Parfait. Self-preservation is paramount at any cost. C'est génial. Confidence surges as the enemy crumbles. Quoique, elle n'est pas encore jouée. Ah non, ça va. Ah oui, c'est facile de faire des esquives maintenant. Hein. Un point de vie, j'adore. J'adore. Ah, elle passe son tour, parfait. Je pense. Bah, 6 de heal pour 6 de dégâts. Voilà.
Tu as perdu ta team, mais tu le sais pas encore. Ah, dis donc, ça fait une grosse différence ce qui vient de se passer. De dégâts pour 2 de heal. Mais il est bien ce jeu. Annihilated. Mais dis donc, tu fais vraiment rien. Hein. Vraiment rien. 6 de dégâts pour 6 de heal. Parfait. Eradicated. A decisive pummeling. Ok, c'est bon, on est en train de perdre du stress. J'y crois. Faut faire des crit heal maintenant. On va la mettre à 0 de stress avec des crit heal. Frappe pas trop fort. Parfait, c'est ce que j'aurais fait. Parfait. Pas ce que je cherche à faire, mais je suis bien là. Mais vas-y, fais des crits. Il veut pas faire des crits. L'écrite. Yes! Bim! Vas-y, on fait pas de crit! Allez. Oui! Ça descend! On a plus que 91. On y est presque. On y est presque. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ah, voilà, c'est la fin. Là. Encore ? Oh, c'est cool, ça. Tiens, c'est pour toi. Haine des horreurs. C'est pas... En vrai, haine des horreurs, c'est très très bien, je crois, sur un... Mince, t'étais déjà à 5. C'est pas très très bien, haine des horreurs, sur un occultiste. Some reward. Yep. For a task well performed. On est bien. Ah bah y a rien en plus. Et bah voilà. Et bah voilà. Facile. Des fois qu'il y a un cadeau. Ah, attendez, attendez, attendez. J'ai besoin de rien, donc je peux virer ça et ça et faire ça. Parfait. Ouf, le fail du piège. Ouais, oui, oui. Vous l'attendiez celui-là. Hein. A spark without kindling is a goal without hope.
Attends, on va virer ça, parce que si je veux pas être attaqué, je suis obligé de faire ça. C'est pas terrible. Ok, qu'est-ce que j'ai qui soigne tout le monde? Groupe stress moins 20. C'est fort, ça. Ok, qu'est-ce que j'ai qui soigne du stress individuel? Le truc, c'est qu'il faudrait que je fasse les breloques, là. Attendez, je regarde. Donc là, j'ai un stress moins 15. J'en ai un deuxième ici. Ça fait 4. Mais j'aurais bien aimé faire ça. Allez. C'était pas mal. As the light gains purchase, spirits are lifted. On a 31. This is made clear. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était bien. C'était bien. Je pense qu'on peut être content. Histoire de finir full life. Eh, pour une mission en vétéran. Moi, je dis. Je dis, c'était pas mal. Les gens qui se moquaient de ma team. La, le seul truc qui nous a embêté, c'est quoi? C'est le truc sur lequel j'ai cliqué ou j'aurais pas dû cliquer. Mais à part ça, est-ce qu'elle était pas PGM ma team? Deux antiquaires. Est-ce qu'elle était pas pétée? Très agréablement surpris, oui. Alors, pas eu de level up. Store Cortic a chopé. Mauvaise conscience, bravo. Et la courante. Destin tracé, par contre, c'est pas mal. Mortalité, ça c'est pas bien du tout. Œil de lynx, s'il sert à rien. Donc faut enlever la courante et mortalité. Même si eux, normalement, je leur enlève rien. Je pourrais repartir faire une autre mission. Et en plus, j'ai du bonus dans le wield. C'est pas magnifique. Là, tu me vends pas l'item dont j'ai besoin par hasard? Absolument pas. Que des items level 0. Là, rien qui nous intéresse, c'est là. Oh, oh oui, il y a un croisé. Oh, je peux faire la team, on peut faire du mode infini. Ok, fais voir ce que tu fais. Lenteur qu'il faut absolument enlever. Par contre, ça va prendre minimum 2 tours. Ça, c'est très très bien, par contre. Et ça, c'est très très bien. Hop. Tu veux quel item? L'item pour des résistes. Il y a deux items que je recherche. L'item pour les résistes et l'item pour la Vestale. Qu'on n'a jamais vu du coup, vu qu'on était buggé. Alors attendez, je regarde. Toi, esprit tourmenté, on s'en fout. Toi, on veut enlever absolument lenteur et ça. Toi, ça ne nous sert à rien. En fait, je sais pas. Est-ce que quand tu rencontres du mob du wield, dans le mode infini, t'es considéré comme étant dans le wield? That's the real question. Est-ce que du coup, dans le mode infini, quand t'es dans des mobs plus orientés wield, t'es considéré comme étant dans le wield pour la phobie du wield? J'aurais tendance à dire que non. Mais on sait jamais. Génisme, on peut s'en passer. Je pense pas, non. Pour l'item résistance, c'est pas l'item du baron. Non, non, c'est un truc que j'ai déjà vu. Enfin, je crois pas. Attends, c'est encore tiré, on va enlever la courante. Dans le forier, on va enlever mortalité. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs qu'il faudra enlever. Ah mince, j'aurais pu te bloquer. Bon, après. Parce que je veux des occultistes, quoi. Ça, tellement enlevé. Magnétique panda qui a des crampes d'estomac. Sinon, on est pas mal, je pense. Mais ah non, oui. Ah, mais je lui ai pas donné de nom. Je lui ai pas donné de nom. Fantôme, je me disais, c'est qui Fantôme? C'est pas un viewer, Fantôme. Qui est Fantôme? Qui c'est? Attention sur le chat, je vais tourner la tête dans un instant. La personne dont je vois le pseudo. Ça peut être n'importe qui.
ce sera notre croisée. Attention. Attention. Et bim. Non, c'était entre deux noms, quand j'arrive pas à lire, c'est qu'il y a personne. Hein. Hop. Et bim. Mister Mogo. Mister Morgo. Eh ben GG, Mister Morgo. Hop. Mister Morgo, tu as gagné. Par contre, je suis quasiment persuadé que j'ai encore des trucs à enlever à des endroits. Phobie des ruines, passion divine, peur de Dieu. Oh, vas-y, allez. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on veut garder? Enthousiasme extrême, c'est fort quand même. Hein. Mais bon. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ouais, toi. Allez, on va enlever perfectionniste. Hein, parce que c'est vraiment pas bien. Et sinon, t'as des trucs fabuleux? Non. Hein. Ah, on va faire ça. Ok. Donc ça, on a vu. Et alors, est-ce qu'il y a l'item dont j'ai besoin? Oui! Oui! C'est ça que je voulais, le cristal purifiant. Donc il y est. Déjà, c'est une très très bonne nouvelle. On va pouvoir faire la mission. C'est une très très bonne nouvelle. Bon, il n'y a toujours pas l'item de la Vestale. Mais le cristal purifiant, il est là. Donc ça, c'est... Oui, la VOD tourne toujours. Parce que ça leur fait des missions, du coup. Donc on veut aller dans les tanières. Tu feras du mode infini ce soir, du coup, bah, dans deux semaines, je pense que oui. Je pense que oui. Ceci dit, la VOD fait déjà une heure. Je pense qu'on va les laisser là. Vous connaissez mon programme. Vous avez vu une mission, la dernière mission de boss, plus une mission rigolote. Et puis nous, on va continuer à aller chercher les items qui nous manquent pour faire le DD. Puis vous inquiétez pas, bah, j'enregistrerai pour le Darkest Dungeon. Voilà, voilà. Des bisous les glouglous de YouTube. À bientôt. Nous, on continue sur le live. Ciao, ciao tout le monde.